Cette année, l'invitée du rendez-vous de l'illustration jeunesse des médiathèques de Tannes-Cernay est Pauline Kaliougine. Elle est née à Paris en 1983 de père russo-ukrainien et de mère française. Elle est plasticienne et auteure illustratrice d'albums illustrés pour petits et grands. Le rendez-vous de l'illustration jeunesse est un rendez-vous annuel et régulier dans nos médiathèques. Il met en lumière l'univers d'un illustrateur ou d'une illustratrice à travers une exposition d'œuvres originales. Ce coup de projecteur va permettre au public de découvrir le cœur du travail de l'artiste plasticienne Pauline Kaliougine. À travers cette exposition intitulée « Noir, blanc, rouge », l'artiste nous invite à plonger au cœur d'un univers contrasté en blanc, noir, rouge, qui évoque les cultures folkloriques slaves qui ont bercé son enfance et à découvrir sa technique de prédilection, la linogravure. Pauline travaille ses illustrations comme une brodeuse qui s'applique à son ouvrage, avec une minutie infinie. Elle donne ainsi vie à une galerie de personnages incroyablement attachants et intrigants aussi. Le public pourra découvrir l'exposition jusqu'au 21 janvier à la médiathèque de Tannes et à la médiathèque de Cernay. Sont exposées les planches de l'album « Un jardin en hiver », alors qu'à la médiathèque de Cernay, on découvre le mythe de la sorcière Baba Yaga revisité par l'artiste. Pauline Kaliougine sera présente dans nos médiathèques du 19 au 21 janvier. Elle animera un atelier tout public vendredi 20 janvier de 18h à 19h à la médiathèque de Tannes où elle invitera le public familial à réaliser une fresque participative. Le lendemain, à la médiathèque de Cernay, de 10h à 11h15, elle invitera le public à découvrir sous sa houlette la linogravure. Chaque participant partira avec un tirage individuel et personnalisé. Pour clore cette belle aventure riche en rencontres et en émotions, elle dédicacera ses albums. Le public pourra retrouver toutes nos informations sur le portail et réseaux sociaux des médiathèques de Tannes-Cernay.